Gérard Depardieu a de nouveau laissé son franc-parler s'exprimer lors d'une interview accordée ce week-end au Journal du Dimanche. Gérard Depardieu est en pleine forme. Le comédien de 68 ans, dont le franc-parler n'est plus à démontrer, enchaîne actuellement les interviews à l'occasion de la sortie d'un ouvrage intitulé Les Monstres. Dernièrement, ce monstre sacré du cinéma français s'en prenait aux Français et à Cyril Hanouna, qu'il se faisait un plaisir de tacler au passage. Si aux journalistes, c'est ce week-end un autre coup de gueule que celui qui a obtenu la nationalité russe en 2013 a poussé. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche publiée ce 29 octobre, l'inoubliable interprète de Cyrano a adressé une pique aux journalistes. Je n'aime pas les journalistes, car ils avancent leurs propos et déforment mes tirs à réponse. Ils devraient se contenter de retranscrire ce que je dis mot pour mot. Je me méfie des journalistes, comme je me méfie des flics, a-t-il lâché. Et le comédien de lâcher une dernière petite provocation à l'encontre de sa cible du jour. Je considère que je ne suis pas là pour les cajoler. Je refuse de faire des pipes aux journalistes. Vous parlez bien de cette manière-là, dans les rédactions de presse. À Libération, il parlait comme ça, s'est fendu l'artiste. Ou instinct et les abus, dans le cadre de cette interview, Gérard Depardieu s'est également exprimé sur l'affaire Weinstein, qui n'en finit plus de faire couler l'encre. En restant cette fois davantage mesuré, le comédien a dénoncé l'attitude du producteur, dont il avait failli crever les yeux dans le passé. Je me tiens éloigné des dénonciations et des meutes. Mais je déteste les prédateurs, dans tous les domaines, car ils sont dans l'abus de pouvoir. Il faudrait rappeler que l'hystérie n'est pas un privilège féminin. Les femmes ne sont pas les seules à pouvoir être hystériques. Les hommes qui sont dans l'abus de pouvoir sont des hystériques. Guillemets.